à l'antenne dans 5, 4. Oh maman, tu m'as tellement manqué. Bienvenue, je suis si heureuse. Quelle merveille! Oh, mais regardez-moi ça, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est pour moi. Non, non, arrête, arrête! Bon. Ce n'est rien. Être avec vous me suffit largement. Oh. Oh! Ça doit être Marc. J'y vais. Oh. Oh. J'ai discuté avec les autres producteurs. Là, ton personnage... Ton personnage n'est pas renouvelé pour la prochaine saison. Lundi prochain, c'est ton dernier épisode. Je suis désolé, vraiment. Quoi? Non, mais tu les connais, ils pensent qu'à faire des économies. Non, mais tant de talent gâché, c'est complètement con. Non, mais Carole, moi, je sais que t'es une très très bonne actrice. Hein. Bon, écoute... Écoute... Que je pourrais peut-être essayer de faire, ben c'est de les convaincre de te garder dans la série. Ça se passe bien, toi? N'approche pas, écoute. Non mais Carole... Laisse-moi. Mais Carole... Bon, maman, rediscute. C'est qui ce Marc? Ah. Ça doit être un secret, alors. Qu'est-ce que tu viens de dire? Eh bien, je viens de dire que ça doit être un secret. Ce que tu viens de faire derrière cette porte. Maman, regarde. Freddy et moi, nous allons nous marier. Oh, en février prochain, après ses diplômes. Oh. Maman, tu te souviens l'été dernier? Freddy et moi, on s'est disputés. Et là... Là, j'ai su... Que nous nous aimions pour toute la vie. Oh. Oh, il est merveilleux. Que je suis tellement heureuse, maman. Il faut que je te dise quelque chose d'important. De quoi tu parles? Oh, tu dois parler de ton entrevue avec Marc l'été dernier dans le jardin? Il m'a fait venir dans son bureau. Il voulait me parler de mon avenir. Ce que je pourrais peut-être essayer de faire, ben c'est de les convaincre de te garder dans la série. Enfin, si... Si tu tiens vraiment à ce rôle, bien sûr. Mais oui, évidemment que j'y tiens. Non, parce que moi, ma Carole, tu sais que je suis prêt à donner toutes tes chances. Hein? Il faut juste que tu me fasses confiance. En plus, t'as tout ce qu'il faut pour réussir. C'est gentil, mais je vais y aller. Non, non mais Carole, tu sais bien que dans ce monde, c'est donnant-donnant. Et puis moi, je pourrais te faire rester au moins une saison de plus. Hein? Mais crois-moi. Crois-moi. Tu me remercieras. Non, non. André, André, s'il te plaît. Il a continué.
Et il a mis la main. Wow, wow, wow. Mais c'est Noël. Un peu de bonne humeur. Laisse-moi finir. Il m'a utilisé. Il m'a manipulé comme un jouet. C'est pas de ma faute. J'ai pas à avoir honte. C'est lui. C'est lui qui m'a... Maman, t'as tellement raison. On a tellement de la chance d'avoir une famille si soudée. Tu t'attendais à quoi en voulant être actrice? C'est grâce à lui que t'es là. Ah là là, les filles, toutes les mêmes. Merde! Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Il m'a tout pris. Ça dérange personne? Tout le monde se tait. Faut parler. Tu en as marre de ces connards qui abusent de nous, qui nous traumatisent, qui nous violent. Bonjour, bonjour. C'est ici, là, les maisons de la télé? Oui, oui, oui. Ah, quel bel écran. Parfait pour l'esprit aussi imaginatif que le vôtre, hein, n'est-ce pas, madame? Bon, écoutez, j'installe ici. Oui, monsieur. Parfait. Et monsieur le livreur, pas besoin de regarder les actrices à la télévision quand on a maman dans son salon. Joyeux Noël. Joyeux Noël.